Ça fait plusieurs années que je fais ça un peu systématiquement dans mes gravures, des espèces de grands traits qui tombent et je ne sais pas encore pourquoi je fais ça. C'est peut-être... Là, je pense que c'est lié à une espèce de douleur, de choses diffuses, comme des sortes de larmes qui ont besoin de tomber. Pourtant, c'est juste des traits. Et comme quand on est dans un rêve et puis qu'on sent qu'on est en train de tomber dans une espèce de vide, j'ai besoin de faire des choses comme ça. Je peux pas avec un brunissoir ou un racloir enlever, revenir, remettre dessus. Il n'y a pas du tout ce genre de recherche que peut avoir quelqu'un qui fait de l'eau-forte ou de l'aquatin, qui va refaire des morsures et qui va gratter, qui va enlever, et qui va concevoir son œuvre comme ça et avec des états intermédiaires et tout ça. Mentalement, c'est complètement autre chose. Moi, pour le moment en tout cas, puis ça fait des années que ça dure, j'ai pas envie de faire toutes ces recherches-là avec autre chose que le burin. Parce que j'en ai pas fait le tour.